Et puis on va enchaîner puisque je vous ai fait une vidéo avec Xavier Bertin, que j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer par l'intermédiaire de mon amie Valérie Sagnas, que vous pouvez trouver parce qu'elle fait tous ces bijoux que je porte avec amour, parce que c'est une fille d'amour, de cœur, c'est une grande HP. Elle a ouvert une boutique à Honfleur qui s'appelle, on va pas lui faire de la pub, mais quand même, si vous passez par là, c'est Valérie, vous dites Valérie de la part de Raymond, elle est à Honfleur dans la boutique qui s'appelle Merde, et puis ça veut dire Merde, comment, attends, Cambronne, voilà. Donc un petit coucou à mon amie Valérie et son mari qui est un grand photographe. Voilà, donc pourquoi je parlais de ça? Ah oui, c'est donc là que j'ai rencontré, et je vous parlerai de ce fameux cœur, voilà, et je remercie la personne qui m'en a offert un. Il m'a dit, voilà, tu m'as sauvé la vie, Raymond, il n'y a que Dieu qui sauve, mais bon, on va accepter quand même cette façon de parler. Et il m'a offert un cœur, je vous le raconterai. Donc, je voulais simplement, voilà, je mets un peu de piment pour simplement parler d'un sujet qui est un peu, voilà, que j'ai ouvert, que j'ai commencé à ouvrir avec Xavier. Ne croyez pas que je suis novice dans le système énergétique. Je travaille avec des personnes, je travaille avec une kinésiologue depuis 22 ans, qui est Canal. Je travaille avec Charlotte Huillet, vous pouvez regarder sur Facebook, vous la retrouverez, H-U-I-2-L-E-T. Je travaille avec Virginie Calvi, et maintenant j'ai dans mon équipe Xavier Bertin. J'espère que j'ai oublié personne, parce que des énergéticiens, si, il y avait aussi notre ami, hein, comment il s'appelle, il faudrait que je donne l'analyse complète, oui, qui était à Toulouse. Et en fait, tout ça pour dire quoi? Pour mener tout doucement les gens qui ont la peur du noir. Certaines personnes sentent effectivement ce qu'on appelle des entités. Alors, on va rester dans des cases, on ne va pas sortir des cases. Quand je dis les personnes sont HP, je les sors des cases. Hein. Le système nous met dans des cases, c'est-à-dire on va rester dans la case. Et faites attention aux enfants qui ont peur du noir, on est sur un terrain énergétique. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais beaucoup de personnes ont peur du noir. Moi, j'ai fait partie de ces personnes qui avaient peur du noir. Oserais-je dire encore que quand il faut traverser la campagne la nuit à pied, hein, toute seule, hein, je ne parle pas en voiture où il y a les lumières, le klaxon et le machin, non, où on est en sécurité. Non, non, je parle quand je dois traverser la campagne. Ça m'arrive très peu, heureusement. Oui, on a peur du noir. Le sourdoué a peur du noir parce qu'il sent des choses la nuit. Voilà, sans en dire plus, prenez soin de vos enfants qui vous disent « j'ai peur du noir ». J'ai eu le petit, on ne va pas le nommer, voilà, qui m'a appelé, c'était charmant. Et son père était très cartésien, donc il lui disait « mais non, t'as pas peur du noir » et tout. Et l'autre, il pleurait parce que son père ne le comprenait pas. Donc, écoutez les enfants, ils ont des choses à dire et ils ont envie qu'on les entende, c'est-à-dire qu'on les comprenne et qu'on leur réponde. Voilà, donc c'était un petit coucou pour la rentrée. Les enfants HP ont peur du noir, mais pas que les enfants HP. Donc, ce sont certaines connexions avec des terrains énergétiques. Voilà, si vous avez besoin, vous mettez un petit mot sous une vidéo et je vous dirigerai, mais je vous ai donné le nom des personnes. C'est Xavier Bertin, c'est Charlotte Huillet. Vous les trouverez sur Facebook. C'est à Paris, ma kinésio. Et c'est qui encore? Oui, j'ai oublié son nom. Dominique à Toulouse. Voilà, si vous avez besoin, je vous donne Dominique à Toulouse, exceptionnel sur les énergies. D'accord? Donc ne laissez pas vos enfants dans la peur du noir en leur disant non, c'est pas vrai. S'ils vont donner une lumière, mettez une lumière. S'ils ont besoin que vous dormiez avec eux, ben, démerdez-vous, mais bon, faites comme vous voulez, mais faut les écouter, pas les contrer. Si vous contrez un enfant comme ça, HP, mais même les autres, c'est très mauvais pour le futur. Ça va ne faire que s'agrandir. Démystifier, c'est dire oui, d'accord. D'accord? Bon, allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bonne rentrée, les enfants. Vous ne laissez pas faire, hein. Sois gentil avec vous.